La réelle cause de la rupture de Laetitia Hallyday a été précisée par le magazine Ici Paris, qui relaie les confidences de la veuve du taulier. Les déclarations de Laetitia Hallyday apportent des éclaircissements sur la véritable raison de sa récente séparation, rapportée par l'hebdomadaire dans son édition de cette semaine. La conjointe survivante du défunt taulier exprime ses sincères regrets au travers d'une déclaration dans laquelle elle reconnaît avoir rencontré des écueils au sein de ses relations amoureuses. Laetitia Hallyday, empreinte d'une conviction indéfectible envers l'institution amoureuse, avait nourri l'ardent espoir d'avoir finalement concrétisé cette conviction avec Jalil Lesper. Comme elle l'avait évoqué lors d'un entretien accordé à Paris Match en 2021. Les effusions de Laetitia Hallyday, témoignant de l'impact salvateur de l'amour de Jalil, étaient éloquentes, il me transporte. Il est formidable, m'accompagnant dans mon deuil avec une abondance d'amour et de bienveillance. Néanmoins, la dure réalité a fini par rattraper la veuve du légendaire rocker. Et l'inévitabilité de la rupture s'est concrétisée l'été dernier. D'après une source relayée par le magazine, des disparités de caractère jugées irréconciliables ont été à l'origine de cette séparation. Les tendances jalouses et possessives de Jalil ont été décrites comme ayant considérablement compliqué la vie de Laetitia, une femme d'empathie qui, face à la situation, a éprouvé son insoutenabilité. Le couple a mis un terme à sa cohabitation, et Jalil Lesper est retourné à Paris. De son côté, Laetitia a dû faire face à la délicate tâche de panser les plaies d'une relation désormais révolue. Elle partage les défis de son conflit intérieur en ces termes, « Il est ardu d'aimer sans ressentir de culpabilité. Il me faut apprendre à vivre, à m'éprendre, sans cette ombre de culpabilité, sans avoir le sentiment de trahir celui que l'on a tant aimé. »